Nouvel incident en Espagne, 3 consuls enlevés aux Pays-Bas. L'affaire de drogue de Montigny-les-Cormeil, Georges Marché explique la politique du PC. Les Anglais, la crise, 2,5 millions de chômeurs. La météo pessimiste, froid et neige pour le week-end. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Pays basque espagnol en émoi ce soir. 3 consuls, donc, étrangers ont été enlevés dans la matinée à Bilbao et à Pamplune, ceux du Salvador, d'Autriche et d'Uruguay. Un quatrième a failli l'être à San Sébastien, celui du Portugal. C'est bien sûr l'ETA qui est à l'origine de ces enlèvements. Les ravisseurs ont affirmé que les séquestrés n'avaient rien à craindre. Il n'empêche que cette nouvelle vague de violence inquiète le Pays basque. Le gouvernement espagnol condamne énergiquement. Les frontières sont contrôlées. Jean-Pierre Biondi. Cette famille est celle d'Herman Diez del Cel Corsacto, 41 ans, consul honoraire d'Autriche à Bilbao. 3 hommes coiffés d'une cagoule ont fait irruption chez lui la nuit dernière. 2 d'entre eux l'ont alors emmené, tandis que le troisième demeurait jusqu'au matin dans l'appartement après avoir arraché les fils du téléphone. À aucun moment le commando n'a proféré de menaces, rassurant même l'épouse du diplomate sur le sort réservé à son mari. Le même scénario a eu lieu avec les consuls du Salvador et d'Uruguay. Les commandos ont opéré en ville, à peu près à la même heure, armés de mitraillettes et observé les mêmes pratiques. La police garde maintenant les domiciles de tous les diplomates au Pays basque et ce soir, les routes sont surveillées, y compris et surtout près de la frontière espagnole. Cette affaire est bien dans la manière de l'ETA politico-militaire. Les politico-militaires, les polymili, comme on les appelle ici, ce sont les modérés de l'ETA, pour autant que l'on puisse parler de modérés à propos de personnes qui enlèvent leurs victimes à la pointe du pistolet mitrailleur. Les polymili, ce sont ceux qui jouent la carte internationale. La guerre des plages, c'est-à-dire, comme tout le monde s'en souvient, la pose de bombes sur le littoral méditerranéen en Espagne au cours de l'été 79 et 80, ce sont eux, ce sont des gens qui essayent d'attirer l'attention internationale sur leurs problèmes. Voilà, tout à l'heure, au milieu de ce journal, Philippe Gassot, qui revient à l'instant du Pays basque en compagnie d'Alain Saint, son caméraman, vous présentera un sujet en profondeur sur ce Pays basque qui vit aujourd'hui sur des charbons ardents. Deuxième grand sujet de l'actualité, la drogue. Aujourd'hui, 100 médecins ont signé à Paris une pétition condamnant la campagne publique du PC. Elle prétend, disent les médecins, par la délation et l'appel au pogrom, résoudre un problème grave. Le ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, a dit que pour sa part, il n'avait pas attendu le PC pour lutter contre la drogue. Alors je ne sais comment Georges Marché va juger ces deux initiatives, j'ai une petite idée. Il est en tout cas ce soir dans la cité même d'où tout est parti. Il doit tenir un meeting dans quelques minutes à Montigny-les-Cormeil. Sur place, Jean-Michel Mercurol. C'est sous ce chapiteau qu'interviendra tout à l'heure Georges Marchais devant les habitants du Val d'Oise. Dehors, la foule commence à se presser aux abords du meeting. Les organisateurs s'attendent à quelques 8000 personnes, s'attendent à la venue de quelques 8000 personnes. Il y a 130 cars qui achemineront ces milliers de personnes. C'est dire toute l'importance que revêt aux yeux des dirigeants du Parti communiste ce meeting de Montigny, qui est déjà l'un des points forts de la campagne électorale. Caméras, journalistes, photographes sont en place à Montigny, un point de mire depuis 10 jours, depuis qu'a été lancée par la mairie communiste la campagne anti-drogue du PCF. Et puis, hier encore, ce rebondissement, la découverte de drogue dans l'appartement de la famille accusatrice. Le thème du discours de Georges Marchais ne nous a pas été communiqué, mais nul doute qu'il évoquera largement la guerre anti-drogue. A noter que ce meeting de Montigny avait été prévu avant que n'éclate l'affaire de drogue. Preuve pour le Parti communiste qu'il ne s'agit pas d'une réunion de circonstances, ce qui n'empêche pas ses détracteurs d'y voir une vaste opération publicitaire. Dans une heure maintenant, le discours de Georges Marchais, le 39e depuis qu'il a été désigné comme candidat communiste à l'élection présidentielle. Et à 23h dans notre dernier journal, dont des extraits de ce discours de Georges Marchais. Je vous rappelle qu'hier soir, cette affaire avait été à l'origine d'une bagarre dans l'université de Seine-Saint-Denis entre étudiants communistes et étudiants de l'UNEF indépendante démocratique. C'est une association animée par des militants trotskistes et socialistes. Il y a eu 2 blessés. Aujourd'hui, dans Antenne de Midi, Simone Veil a déploré la suspicion et la dramatisation voulu par le Parti communiste. Simone Veil, qui était venue commenter le second rapport annuel du Conseil de l'information sur l'énergie électronucléaire, conseil qu'elle préside, il faut éviter, a-t-elle dit, l'apparence d'une fausse consultation des enquêtes d'utilité publique. C'est une allusion, par exemple, à la situation de Plogoff.
Le sondage du jour, celui de l'Express, Giscard Mitterrand à égalité au second tour, 50-50. Le mois dernier, c'était 51-49 pour l'actuel président. La mort d'un ancien ministre de la Santé, l'une des premières femmes à faire partie d'un gouvernement en France, Germaine Poinceau-Chapuis, MRP. Elle avait 80 ans. Et puis, les adieux du cardinal Marty à Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien cardinal archevêque de Paris avait dit au revoir à ses paroissiens il y a 2 jours. C'est désormais Mgr Lustiger qui tient en main les rênes de l'Église à Paris, sur le perron de l'Église, Mgr Marty, de l'Élysée, pardon. Mgr Marty a adressé un message de paix et de solidarité aux Français, et en particulier aux Parisiens, car on vit trop seul à Paris, a-t-il dit. Après avoir salué le cardinal Marty, le chef de l'État a reçu le Premier ministre tunisien, et en lui remettant les insignes de grand officier de la Légion d'honneur, il lui a dit: la France se sent solidaire de la Tunisie, elle serait à ses côtés si cela était nécessaire. Le procès Maupetit-Thériel, terrible journée pour les jurés et l'assistance. Aujourd'hui à Créteil, on y détaillait le meurtre du couple de Sucy-en-Brie. Les deux accusés se sont entre-déchirés. Hier, Jeanine Thériel avait craqué. « Oui, j'ai mérité la mort », disait-elle. Bref, le fond de l'horreur, un compte-rendu d'audience de Paul. Personne ne sait trop bien ce qui se passe dans la tête des deux accusés. Maupetit, un visage sur lequel est figé une expression un peu torve d'ennui ou de mépris, figé car c'est une séquelle d'un accident de la mâchoire qui dissimule ses sentiments, sa peur ou ses espoirs. Tassée sur son banc, Jeanine Thériel, elle, semble avoir échappé au temps. Ses mains croisées ne bougent pas, la tête est immobile, ses yeux fixent quelque chose que nous ne voyons pas. Peut-être sont-ils finalement étonnés de ce qu'ils ont fait. Il y a 3 ans, à Sucy-en-Brie, ils ont tué plusieurs fois en moins de 2 heures, saisis du vertige du crime, c'est-à-dire de l'acte définitif, du geste qu'on ne pourra jamais réparer, alors qu'on répète puisque le seuil du non-retour est franchi. Aujourd'hui, minute après minute, dans un calme qui doit leur paraître une éternité, le président leur fait revivre le sursaut du père, assassiné sans avoir pu se redresser, les cris et surtout les regards des 2 enfants, témoins pendant 1 nuit du cadavre de leur père, et l'appel désespéré à la pitié d'une mère qui pressentait la mort. Ce n'est qu'un instant du procès, il pèsera sans doute lourd, mais au masque des accusés fait face aujourd'hui le mystère du visage des jurés. Et puis je vous donne cette information qui est passée un petit peu inaperçue. On peut considérer que depuis le début du mois, la peine de mort est abolie pour les mineurs en France. C'est le Parlement qui, en autorisant l'adhésion de la France au pacte des Nations Unies relatif aux droits de l'homme, a en fait aboli la peine de mort pour les moins de 18 ans. C'est une peine qui avait été prononcée par exemple il y a 5 ans dans l'Oise contre un jeune homme de 17 ans qui avait été ensuite gracié par le président de la République. Brésil, arrestation pendant quelques heures à São Paulo du prix Nobel de la paix, l'Argentin Pérez Esquivel. Il a été relâché. Pour la police brésilienne, il n'a été en fait qu'interpellé, car il ne faut pas qu'il s'immisce dans la politique intérieure du Brésil. Il s'apprêtait en fait à donner une conférence sur les droits de l'homme. Grande-Bretagne, la plupart des syndicats des mineurs ont décidé la reprise du travail à la suite de l'accord conclu avec Mme Thatcher. Mme Thatcher qui, vous le savez, dans un premier temps voulait restructurer cette industrie malade et courant en cela le risque d'aggraver le chômage. Un chômage dramatique en Grande-Bretagne, l'un des plus importants d'Europe, il touche 10% de la main-d'œuvre. Maurice Werther et Jean-Louis Bousser ont enquêté là-bas. Vauxhall are reducing their workforce by a fifth. That's a loss of 5,700 jobs at Ellesmere Port. Avec une belle franchise, tous les vendredis, sans précaution oratoire, la télévision anglaise dresse un bilan accablant. Celui des entreprises qui ont fermé leurs portes au cours de la semaine écoulée. En même temps, elle énumère le nombre d'emplois perdus, ou si l'on veut, le nombre de chômeurs en plus. De la même façon, la télévision a rendu compte, graphiques à l'appui, du chiffre total du chômage de janvier lorsqu'il a été publié. Presque 2,5 millions. 10% de la population active, 175 000 de plus en un mois. En 1981, en Grande-Bretagne, à Londres ou en province, l'un des lieux les plus fréquentés, c'est hélas le Job Center, qui correspond en France à l'Agence pour l'emploi. Presque 2,5 millions de Britanniques vont y chercher l'espoir, la plupart du temps déçus. Si ça continue comme ça, et il y a toutes les chances pour que ça continue, ils seront 3 millions avant la fin de l'année. Alors 3 millions, 12% de la main-d'œuvre, est-ce un point de rupture, un seuil au-delà duquel les travailleurs vont se révolter, descendre dans la rue? Il y a 20 ans, les experts disaient, si on arrive à 1 million de sans-emplois, ce sera la révolution. Or, avec plus de 2 millions de chômeurs,
il n'y a jamais eu si peu de grèves depuis 40 ans. Pourquoi ? D'abord, parce que ceux qui travaillent sont devenus craintifs et ont peur de le perdre, leur travail, qui d'ailleurs est actuellement mieux payé que jamais, malgré la crise. L'autre raison, beaucoup plus directe, c'est que les chômeurs n'ont pas atteint un point de difficulté tel qu'il ne leur reste plus rien à perdre que leur misère. Il est infiniment probable qu'ils n'atteindront jamais ce point de rupture. Prenons, par exemple, le cas de Malcolm Randall, qui correspond à peu près au profil du chômeur britannique moyen. Il a 42 ans, il a travaillé pendant 20 ans dans l'usine d'automobile British Leyland à Cowley, près d'Oxford. Il est marié, il a 4 enfants à charge, et après un an de chômage, son occupation principale, c'est la quête d'un travail. Au Job Center, comme tout le monde, sous nos yeux, il a presque trouvé réparateur de machines à laver. Il sait le faire, il a toute l'expérience nécessaire. Malheureusement, il n'a pas les diplômes que réclame l'employeur, que l'abondance de la demande rend exigeant. Alors, rentrer chez lui, c'est la lecture avide des petites annonces du journal, avide mais désabusée. Certes, financièrement, il n'est pas aux abois. Quand il travaillait, il gagnait un peu plus de 1000 francs par semaine. Aujourd'hui, toutes indemnités confondues, un peu moins de 700. En fait, les secours aux chômeurs sont conçus de telle sorte que, quelle que soit la situation, ils touchent de quoi pourvoir à l'essentiel. Il n'aura pas froid cet hiver, même si la note d'électricité est lourde. On lui donnera assez pour payer les traites de la maison qu'il a achetée il y a 20 ans et qu'il n'a pas fini de payer. Il n'aura nullement besoin de se restreindre, ni lui ni sa famille, sur la nourriture. You get very fed up, you sit around the house, you ring up for jobs and you can't do much. You've just got to sit there and wait, you know, for them to reply to your application. So you sit around for a week or more, not knowing whether they are going to send for you or whether it's just another job that's gone down the drain, you know. They don't seem to mind so much, but whether they're doing that for my benefit or not, you know, is another question. But they've been very good, but I feel that I'm letting them down. You know, I can't provide for them like I used to, so obviously it's upsetting to me. Le chômage plaît social à vif en Grande-Bretagne. Peut-il être guéri par la seule lutte contre l'inflation, comme le croit Mme Thatcher? Ça, c'est une autre histoire. Oui, toujours en Grande-Bretagne, l'inculpation officielle de Peter Sutcliffe, qui est supposé, en tout cas soupçonné par la police, d'être l'éventreur du Yorkshire, inculpation pour 13 meurtres et 7 tentatives de meurtre. Les remous monétaires, hausse des taux d'intérêt en Allemagne fédérale, relèvement du taux d'escompte de la banque suisse, résultat, le dollar recule à nouveau, il a passé la barre des 5% mais à rebours, il était coté 4,89 francs aujourd'hui à Paris. Et puisque nous parlons économie, cette statistique qui devrait vous frapper, vous avez acheté l'année dernière en France une paire de chaussures asiatiques par habitant, 53 millions en effet. Les industriels français de la chaussure ont demandé des mesures immédiates pour limiter la pénétration étrangère. Et puis pour le CNPF, il y a en février une reprise modérée de l'activité. Les patrons voient des éléments favorables apparaître dans la conjoncture. Quatrième journée du pape en Asie, le sud des Philippines, où vit une importante communauté musulmane. À Davao, dans l'île de Mindanao, Jean-Paul II a prêché l'amour et la paix au chef de cette communauté. Depuis 8 ans, nombre de musulmans mènent une guérilla contre le gouvernement central de Manille. Elle a déjà fait 60 000 morts. Le pape s'est ensuite adressé aux 20 000 travailleurs, de 200 000 travailleurs même de plantation de canne à sucre. Et il leur a dit, comme au Zaïre, comme au Mexique ou au Brésil, il est inadmissible que la terre, don de Dieu à tous, ne profite qu'à quelques-uns. Je voudrais maintenant que nous revenions sur le Pays Basque quelques heures après l'enlèvement de 3 consuls étrangers. Il ne suffit pas en effet de faire le catalogue de ces actions de violence quasi quotidiennes, en tout cas hebdomadaires, au Pays Basque espagnol. Il faut essayer aussi de comprendre en profondeur. C'est ce qu'ont fait Philippe Gasso et Alain Saint, qui sont venus il y a quelques heures à peine de cette province qui vit, je vous le disais, en ce moment, dans l'inquiétude. Donc le reportage qu'il nous ramène et qui vient d'être tout juste prêt. Les raisons du coup de force de l'ETA politico-militaire sont ici.
C'est ce que pensent les Basques qui touchent de près ou de loin les problèmes politiques de la région. Pas un Basque n'a oublié la mort sous la torture de José Arregui qui repose ici, près de son village, ni la manifestation qui a suivi. On ne parle pas de politique en public à la campagne. On ne sait rien, on n'a rien vu. Pourtant, tout le monde se connaît. On sait très bien qui fait quoi, ceux qui sont dans l'été à militaire, mais on ne dit rien. Si on ne les soutient pas, tout au plus on les laisse faire, car ils sont eux aussi des nationalistes basques. Dans le pays, les groupes armés ne sont pas systématiquement déconsidérés ou honnis. Ils ne sont pas toujours aidés ou protégés, mais souvent compris. C'est ce qui leur permet d'exister. Au sein même de l'Église, qui par tradition a toujours été au Pays basque du côté du peuple, on ne veut pas juger. Plutôt que de choisir le commandement « tu ne tueras point », on préfère le chapitre de la femme adultère. Que celui qui n'est pas, d'une façon ou une autre, responsable de la situation au Pays basque, leur jette la première pierre. De 250 ecclésiastiques. Leur but, parvenir à créer une société anticapitaliste, une église démocratique au service des classes populaires. Plusieurs d'entre eux ont déjà été arrêtés par la police, dont un sous Franco qui a été emprisonné pour collusion avec des groupements terroristes. Aujourd'hui, après l'enlèvement des consuls, la mort de l'ingénieur Ryan, et nous celle voulons sous la torture pas faire partie de tous ceux qui sont, disons, obsédés des condamnés. Ils veulent tout condamner. Et nous croyons que la mort de Ryan, de même que la mort de Arregui, qui a été torturé, c'est la partie supérieure de l'iceberg. Et qu'il y a des causes profondes qu'il faut condamner, il faut aller aux causes. Pour les membres du parti légal, Ari Batasuna, parti d'extrême gauche, ayant les mêmes objectifs que les TA militaires, bien qu'ils n'approuvent pas, disent-ils, les méthodes violentes, ils se gardent bien, eux aussi, de réprouver le crime. Bien qu'élus dans le cadre de la loi, les députés d'Ari Batasuna refusent de siéger au Parlement en signe de protestation. Quand on leur parle de violence, ils citent les droits de l'homme. Ce député a déjà été poursuivi pour apologie du crime. Il est à présent protégé par son immunité parlementaire. Vous ne condamnez pas la violence, vous ne condamnez pas le meurtre. Nous pensions qu'un peuple qui lutte par sa liberté nationale et sociale a droit d'utiliser les méthodes qu'il croit qu'ils doivent utiliser. Et pour nous, théoriquement quand même, les méthodes sont possibles. Une autre chose, ça, c'est que nous n'utilisons pas quelques méthodes, nous n'utilisons que des méthodes pacifiques. Alors, mais théoriquement, on dirait que quelconque peuple qui lutte par sa libération peut utiliser toutes les méthodes possibles. Vous approuvez la mort de l'ingénieur nucléaire Ryan ? Nous n'approuvons, nous disons rien à l'entour de ça. Parce que nous pensions que c'est plus compliqué que dire seulement que nous condamnons la mort. Pourtant, à Madrid, le gouvernement espagnol avait placé beaucoup d'espoir dans la visite du roi au Pays basque. Arregui, au même moment, était torturé. Un rendez-vous manqué que les assassinats, enlèvements vont rendre totalement nul et non avenu. Vous pensez qu'il n'y a aucune discussion possible avec l'État militaire? Certainement pas. Aujourd'hui, c'est seulement la voie politique qui est admissible et avec un terroriste, le dialogue, pendant qu'il a les armes dans la main, c'est inadmissible. L'industrie est au plus bas. L'escalade de la violence reprend aujourd'hui plus brutale. La mise en place progressive de l'autonomie basque n'a pas eu de véritable effet pour calmer les esprits. Le parti nationaliste basque, qui contrôle 80% des mairies dans les régions les plus peuplées du Pays basque, prétend encore que la paix est possible. Il faut que cela s'arrête, car les gens ne veulent plus de crimes. Selon les nationalistes basques, c'est à Madrid de choisir entre la répression ou la négociation. Vous regrettez? Vous rejetez la torture? On rejette tout ce que soit violence, d'où qu'elle vient. On ne croit pas qu'avec la violence, notre peuple maintenant peut avancer. La violence doit cesser définitivement maintenant. On a un gouvernement basque, on a les impôts, on va avoir notre police, on a nos propres institutions. On devient une démocratie basque à l'intérieur de nous-mêmes et il faut que tout le monde comprenne ça, que le jeu est libre et que tout le monde y participe. Comme le témoigne cette affiche, ici on veut la paix, mais une paix basque.
Oui, pardon pour les petits incidents techniques qui ont émaillé la diffusion de ce reportage qui, je vous le rappelle, vient tout juste d'être confectionné. Il colle de justesse avec l'actualité puisque j'apprends à l'instant que l'investiture de M. Calvo Sotelo a été refusée par le Congrès, mais il se dit que les Cortes, donc le Congrès espagnol, devraient accepter cette investiture lundi. Et puis, toujours à l'instant, en provenance des États-Unis, la levée de l'interdiction des crédits au Chili. Babak Karmal, numéro 1 afghan, actuellement à Moscou, a rejeté la proposition française de conférence sur la non-ingérence en Afghanistan. Toute tentative visant à internationaliser l'affaire afghane ne nous intéresse pas, a-t-il dit en réponse au président Giscard d'Estaing fin janvier sur Antenne 2. Regardez bien maintenant cette petite maquette. À son échelle véritable, elle est plus grosse qu'une caravelle. C'est le futur camion de l'espace qui peut transporter quelques 30 tonnes de matériel et faire des navettes comme ça entre la Terre et l'espace. Aujourd'hui, le test de mise à feu des 3 réacteurs a été un succès. Philippe Dumès. Avec son réservoir auxiliaire qui contient presque 2 millions de litres d'oxygène et d'hydrogène liquide, le danger d'explosion est énorme lors de la mise à feu des 3 moteurs principaux de la navette. Pendant 20 secondes, les moteurs ont parfaitement fonctionné à leur puissance maximum. Et si les résultats de ce dernier test, après analyse détaillée, se révèlent totalement positifs, la navette s'envolera pour la première fois au mois d'avril. Mais pour s'arracher à la traction de la Terre, deux énormes fusées auxiliaires lui donneront la poussée nécessaire, c'est-à-dire 5000 tonnes de poussée, plus de 20 fusées Ariane en même temps. Un fabuleux pari pour la conquête et l'exploitation de l'espace. Voilà, à ce stade du journal, une information qui va certainement vous étonner. Cette petite affiche a été distribuée à des milliers d'exemplaires par un homme qui recherchait son chien, Cyrus, un bâtard de 2 ans et demi. Et il proposait 1 000 000 de centimes de récompense. Eh bien, après 3 semaines de séparation, l'homme et le chien, Virgile et Cyrus, se sont retrouvés hier soir grâce à une habitante de Sartrouville qui a reçu son chèque. Un amour hors de prix que vous allez peut-être mieux comprendre avec ce reportage vraiment étonnant de Gérard Dalmaz. Virgile Bril, 40 ans, créatif publicitaire, renommé, marié, père de famille et parrain de 15 chiens, des bâtards. Lupin, Arsène, Léon, Zoé et les autres, que voici en leur fief de la Nièvre. Virgile Bril n'est plus le même depuis le 28 janvier. Ce jour-là, à Paris pour affaires, Virgile perdait son préféré, Cyrus. Alors, la vie est devenue intolérable pour Virgile qui, si l'on ose dire, s'est mis à chercher son chien comme une bête. Paris, région parisienne et même bien plus loin, jour et nuit, concierges, marchés, commerçants, SPA, gardiens de la paix, passants qui passent et promettant 10 000 francs de récompense, 20 000 affiches collées par Virgile, sans trêve ni repos. C'est vrai, au milieu de nos problèmes sociaux, la détresse de Virgile est démesurée et les moyens qu'il y consacre, de même. Pourtant, malgré son comportement excessif et son personnage très original, Virgile n'est pas qu'un doudingue, c'est seulement un amoureux fou. Vous l'auriez pas vu parce que sur un marché, s'il a faim, s'il est encore tout seul, il est possible qu'il vienne du côté des poissonniers, des bouchers. Non, monsieur. Vous n'avez pas vu un chien? Non. J'ai l'impression que c'est un morceau de moi que j'ai perdu, mais je ne sais pas où, c'est en danger. J'aime les chiens d'une façon générale, j'aime les animaux, mais c'est vrai, j'ai des autres chiens et c'est mes gamins aussi, je les aime. Qu'est-ce qui représente pour vous Cyrus? Je ne sais pas. C'est mon petit frère, c'est mon... Les gens disent, je suis le propriétaire de Cyrus. Ouais. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'était lui mon propriétaire. Quand on aime vraiment, c'est vrai qu'on est un peu fou, c'est-à-dire qu'on fait des choses qui n'ont pas le sens commun, semble-t-il. Voilà. Enfin, je demande qu'on ne me juge pas et que si on n'a pas envie de m'aider, qu'on pense que peut-être 1 000 000 ça peut rendre service. Ce que je veux, c'est retrouver Cyrus, même s'il est malade, même s'il est blessé, je ferai n'importe quoi, on le soignera, même s'il lui manque des pattes, même tout, quoi. Pendant les recherches, ce regard abattu en a rencontré un autre, celui d'un chien abandonné qui, adopté aussitôt, aide Virgile à mieux flairer la piste de Cyrus. Car un seul chien vous manque et le monde est dépeuplé.
C'est un reportage assez stupéfiant qui a été donc réalisé juste avant qu'une habitante de Sartrouville, une modeste employée de maison, retrouve ce chien et récupère ce chèque étonnant quand même aussi d'1 million de centimes. Il faut rappeler que la France est au deuxième rang mondial pour la possession d'animaux domestiques et ça fait à peu près 8 à 9 millions de chiens. Si l'on suit bien la campagne d'Antenne 2, il y aura bientôt plus d'animaux nuisibles en France. Nuisible est un terme qui choque en effet de nombreux écologistes. La réalité n'est pas si simple et parfois même l'inverse. Écoutez le chaleureux plaidoyer d'Alain Bombard. Il n'y a pas d'animal nuisible. Et ça, je pense qu'il faut faire un appel. Nous sommes maintenant une nation qui a compris ce que c'était qu'un équilibre. Il faut absolument qu'on fasse disparaître cette notion périmée, cette notion dangereuse, cette notion qui risque de faire capoter l'espèce humaine dans une disparition, dans une dégénérescence, la notion qu'il y a des animaux nuisibles. Non, tous les animaux font partie de l'encadrement dont nous avons absolument besoin. En football, voici ce qu'a donné le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France qui auront lieu les 7 et 11 mars. Je vous laisse découvrir ces rencontres. On peut apprendre que 6 matchs entre clubs de première division auront lieu, ce qui fait donc que 6 clubs de première division au moins seront éliminés dès les 16e de finale. À noter que Saint-Étienne jouera contre Valence, qui est un club de 4e division, et puis que Orléans, club de 2e division, finaliste l'année dernière, sera opposé à Metz, première division, et puis il y a cette belle tête d'affiche, Nantes-Paris-Saint-Germain, et puis aussi Sochaux-Monaco, Monaco qui est tenant de la coupe. Voilà, il faut que je vous annonce aussi la naissance d'un nouveau confrère, François Magazine, qui est bourré de photos, des photos qui ne pouvaient très souvent pas passer dans François quotidien, et qui se retrouve donc dans ce magazine de présentation assez luxueuse. La météo maintenant avec Laurent Broumette, quelles sont vos prévisions pour les jours à venir? Il a neigé aujourd'hui d'abord, il faut le dire. Oui, absolument, la neige nous est venue par le nord-est, il y a une accalmie et puis la neige va nous revenir, mais cette fois-ci par l'ouest. Alors commençons par le début, les températures d'aujourd'hui, c'était à 13h, vous voyez, température assez fraîche, il y a même eu des moins 1 degré à Limoges et à Clermont-Ferrand et partout elle ne dépassait guère 3 ou 4 degrés. Il faudrait qu'on se retourne ensemble vers la région de Marseille, vers l'extrême sud-est, pour découvrir ces images de neige, justement, de la neige assez épaisse, c'était un peu plus d'ailleurs que ce qui avait été réellement prévu, de la neige donc pour les enfants, mais qui a également aidé les skieurs. Il y a de la neige à peu près partout dans les montagnes, une neige qui a provoqué tout de même plusieurs accidents de la circulation. Il faut préciser que depuis, ces chutes de neige ont cessé et que les routes sont maintenant en parfait état. Voilà pour Marseille. Alors maintenant, les raisons de ce mauvais temps. Pour ça, on se dirige vers cette carte. Eh bien, voyez, si dans la Méditerranée, la dépression nous envoyait du mauvais temps par le nord-est, c'est maintenant là-haut que ça se passe, du côté des îles britanniques. Une autre dépression nous envoie cette fois-ci ces lignes de nuages qui vont aborder la Bretagne, puis la moitié ouest du pays dimanche, donnant encore une fois de la neige et des risques de verglas sur les routes. Alors, le résultat pour demain, eh bien, c'est une carte qu'on va découvrir maintenant. Et dans tout l'est du pays, eh bien, encore des nuages assez abondants et des chutes de neige sur les montagnes. Partout ailleurs, des éclaircies et des nuages avec encore quelques averses de neige. Mais je voudrais qu'on fasse un gros plan sur l'ouest du pays, là-bas. Le voici le gros plan. Et vous voyez ces nuages dont je vous parlais il y a quelques instants qui arrivent d'abord sur la Bretagne, puis dans la journée, dans la soirée de demain sur la Vendée et la Normandie au nord pour envahir à partir de dimanche tout l'ouest du pays. Il suivra un peu de pluie. Les températures pour demain? Comme d'habitude, deux colonnes. À gauche, les températures minimales du matin, pratiquement négatives partout. À droite, les températures légèrement positives. Voici pour le nord du pays, disons. Ensuite, les températures du centre. Vous voyez, 1 degré à Nantes, moins 1 à Dijon et moins 3 à Limoges, une région en général assez froide, assez continentale, ainsi qu'à Clermont-Ferrand, moins 4 à Lyon. Pour le sud, eh bien, les températures là encore fraîches, sauf à Ajaccio, 3 degrés le matin, 10 degrés l'après-midi. Pour eux, c'est relativement frais. Oui, oui, mais pour nous, dans le nord, eh bien, c'est beaucoup plus chaud. Enfin, un mot du temps de dimanche. Je vous le disais, surtout l'ouest du pays, arrivée de cette neige avec du verglas, attention sur les routes, et puis ces nuages avec chargés de neige progresseront ensuite sur toute la moitié sud-ouest du pays, tandis que dans le nord-est, ce sera encore le froid et quelques averses de neige.
Voilà, votre tout dernier rendez-vous avec l'information ce soir aura lieu après apostrophe et avant le ciné-club. Ce sera Hervé Claude vers 23h, un petit peu avant peut-être. Demain, Antenne de Midi le recevra Marlène Jobert et Victor Lanoux pour leur nouveau film Une sale affaire. Et puis lundi, nous nous retrouverons à 12h45 comme à 20h à Alger pour une journée spéciale Algérie. Et puis en fin de programme, lundi, il y aura carte sur table à 20h30, donc, avec un double carte sur table, Alexander Aigle, nouveau secrétaire d'État américain, puis son homologue français, Jean-François Poncet, qui ira aux États-Unis pour le rencontrer là-bas, à Washington. Donc, je souhaite une très très bonne fin de semaine. Bonsoir.